Jésus est la puissance, il n'a pas de pire maladie, sans papa.
vous salue au nom de Jésus. Soyez encore les bienvenus dans la présence du Seigneur. Je vais demander à quelqu'un dans le mur de nous rappeler le thème de dimanche. De quoi est-ce que nous avons parlé dimanche? Je vais vous rappeler le thème rapidement. Oui, homme de Dieu. Le dimanche, nous avons parlé de la vraie récompense. C'est-à-dire la récompense pour celle des autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Qui peut nous dire ce qu'il a retenu durant ce enseignement? Un bref résumé de ce que tu as retenu. Non, tu n'es pas laissé. Alléluia. Tu peux nous donner un bref résumé de ce que lui a retenu. Il n'y a personne. Non, là, il n'est pas dans un coin d'aujourd'hui. Ah. Alléluia. Amen. Non, là, il n'est pas dans un coin d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. D'accord, pour plus longtemps que le verset, le verset 14. Le verset 14. Il est la parole de Dieu. Amen. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, et si c'est de toutes ses mauvaises voies, je les aiderai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Donc, bien aimé, sur le moment, la personne va prier un peu de soi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous voyez, si on ne retient pas seulement nos enseignants, comment est-ce que les enseignants ont le courage de penser afin de vous mourir? Amen. Amen. Demandez un peu à l'homme de Dieu Pierre. Quand il finit d'enseigner la vie, à ses élèves, s'ils ont compris. S'ils n'ont pas compris la vie, s'ils n'ont pas compris, il est ainsi. Alléluia. Amen. Pourquoi il est dans un type à qui, en fin d'année là, pour que ses élèves soient pour nous la place de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça qui son objectif. Donc on dit, si on a un objectif, il y a tout un village de vie dans la foi. Après qu'après dans ces jours qui restent là, nous serons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais si on limite ce qu'on nous donne, comment est-ce que nous allons pratiquer la parole de Dieu par Seigneur Royaume? Alléluia. Amen. Amen. Donc on peut garder plus ce qu'on a donné pour lui, c'est aussi la cause. La décision aperçue qui est évoquée mon nom. Soumis, prie et cherche ma face. Si c'est de toutes de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Et il a souligné un premier point qui est important, qui est l'humilité. Alléluia. Si tu n'as pas été un homme, bien aimé, tu ne peux pas faire le Seigneur. Alléluia. Parce que l'humilité nous caractérise. Quand tu offenses quelqu'un, si tu n'as pas été un homme, Alléluia. Amen. Quand tu offenses quelqu'un, si tu n'as pas été humble, tu ne pourras jamais lui demander pardon. Ou bien c'est rien, pardon, à la folie concernée, tu vas demander si ça ne sera pas du fond du cœur. Alléluia. Amen. Même dans nos relations avec nos frères et nos soeurs, nous réalisons que lorsque nous les avons offensés, bien lorsque nous disons qu'on les a offensés, si l'humilité ne te caractérise pas, tu ne pourras pas lui demander pardon. Alléluia. Donc quelqu'un qui n'est pas calme, c'est difficile pour lui de demander pardon. Alléluia. Donc il faut d'abord ce sentiment d'humilité là qui caractérise alors. Si tu n'as pas ce sentiment d'humilité là, frère, ça sera difficile. Alléluia. Amen. Non, c'est pas tout fait que nous offensons le Seigneur. Nous sommes pas nous-mêmes. Et nous-mêmes, j'ai devant sa face pour imprimer sa grâce. Regardez-le souvent dans les familles, il y a des réunions de famille, vous irez le conflit. Souvent celui qui a produit pour ne pas aller se mettre à chez vous devant le chef de famille, il y a autre. S'il n'avait pas été un homme de cachet, il n'allait jamais se mettre à chez vous. Mais il va se mettre à chez vous, pourquoi? Pour que celui qui n'a pas plus lui parler. Lui, il a assis capable d'être arrivé devant le Dieu, de même pas toi. Alléluia, c'est de l'orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. Mais lui, il a assis. Quand tu viens, tu te mets à genoux. Donc, ne se couche au pied des soeurs pour demander pardon. Alléluia. Amen. À plus bonne raison, le grand Dieu.
Et il a souligné deuxième point. Se détourner de notre péché. Alléluia. Et je pense que le point focal, même, c'est ça. Parce qu'on a du mal à se détourner de nos péchés. On a du mal à se séparer de nos péchés. Pourquoi? Il y a quelque chose qui nous trouve. Amen. Parce que comment se fait-il que le péché que Dieu t'a demandé pardon hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois, tu n'étais que revenir, il y a un problème. Amen, amen. Donc nous allons prendre une écriture. Galates chapitre 7. C'est pour la liberté de Christ qui nous affranchit. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jugement de la servitude. Amen. Tu peux répondre. C'est pour la liberté que Christ nous affranchit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude. Alléluia. Amen. Donc l'écriture est claire. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Alléluia. Christ est venu nous affranchir du jour du péché. Amen. Amen. Pourquoi? On a longtemps lutté avec le péché. Mais est-ce que par notre propre force, on a réussi à vaincre le péché? On n'a pas pu. Alléluia. Amen. Et nous luttons constamment avec le péché. De jour comme de nuit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire que nous devons accomplir à notre niveau. Amen. Amen. Nous allons lire encore une version de l'Écriture dans le même livre des Galates. Dans Galates 16. Pardon, le verset 16. Galates chapitre 7, le verset 16. Galates chapitre 7, verset 16. Mm-hmm. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la chair qui nous fait pécher. Vrai ou faux? C'est la chair qui nous fait pécher. Donc nous devons traiter le problème de la chair. Alléluia. Amen. Et ce traitement-là, ce n'est pas par notre force. C'est avec le Seigneur Jésus que nous devons traiter certaines situations. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si cela n'est pas traité, il va suivre, on va demeurer toujours dans notre état de péché. Alléluia. Amen. Donc, une fois que le problème est traité, le problème de la chair est traité, je t'assure que tu vas pécher rarement. Et que tu as jamais de soleil, tu vas pécher rarement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas traiter le problème de la chair. Amen. On va lire encore dans le même chapitre, le verset 24 à 25. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Donc toutefois que la chair va manifester ses passions, tu seras en état de péché. Alléluia. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, donc l'Écriture nous le dit. Alléluia. Donc si la chair n'est pas morte, je t'assure, il sera difficile à l'esprit de prendre le dessus. Alléluia. Et si la chair commune, je t'assure que nous serons dans un état continuel de péché. Alléluia. Amen. Nous serons dans un état continuel de péché. Donc vous avez dit, je perds mon corps, je perds durement mon corps, afin de me maintenir assujetti. Vous ne pas qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Alléluia. Amen. Donc c'est nous là, il y a un travail, il y a un effort que nous devons consentir. Alléluia. Et ce effort-là, c'est en implorant la grâce du Seigneur.
crucifier la chair. Donc si tu as Jésus-Christ, tu as le devoir de crucifier ta chair. Alléluia. Tu as le droit de crucifier ta chair. Et notre église a le droit de nous dire la meilleure manière de tuer la chair, c'est le jeûne. Alléluia. Pour la tête que tu commences le jeûne, ta chair commence à te dire, garde qui ça va manger à ta laisse. Mais garde qui ça va manger à ta laisse. Ou le plat préféré, ton plat préféré, c'est son plat qui guide sur le brasier et puis ça rentre chez toi. Dans toutes les sujets-là, les idées sont déjà mélangées. Mais le jeûne, là, je continue, ou que j'arrête, non, je n'ai pas la voisine. Non, venez ce plat-là, je goûte à ça. Demain, je vais reprendre le jeûne. Et demain encore, pendant que tu en jeûnes, quelqu'un va venir t'offrir un plat que tu veux. Et tu vas toujours rendre. Mon fini, la chair sera en train de te dominer. Alléluia. Ou bien tu commences le jeûne, mais quand ils ont l'instrument, commence à tourner, tu commences à avoir des vertiges. C'est la même raison. Alléluia. C'est la chair qui regarde. Mais quand il dit aujourd'hui, là, c'est pas son jour. Alléluia. Tu es en train de le prier pour que l'esprit aussi soit lui. Lui, tu l'appelles lui. Donc, comme lui, il a pas de bleu, il faut que tu lui dises aussi dans l'esprit. Alléluia. Alléluia, c'est un moment, ça se calme. Le 14 et 15, ça va de peur. L'esprit va commencer encore à tourner. Va commencer encore à tourner. Pourquoi? Pour t'inciter à lui donner ce qui réclame. Alléluia. Il a réclamé la première fois. Tu l'as pas donné. Lui, deuxième fois, tu l'as pas donné. Arrivé au moment où l'instrument se calme. Alléluia. Arrivé au moment où l'instrument se calme. Parce que au moment où peut-être tu ne lui as pas donné, il a espéré, il n'a pas donné. Il se calme. Et tu vas que tu te sens mieux. Alléluia. Non, mais ce n'est pas facile, mais c'est un sacrifice pour ton père. Alléluia. Pour crucifier la chair, c'est un sacrifice. Donc si on ne met pas ce sacrifice, ça sera difficile. Que l'esprit prenne le dessus. Alléluia. Amen. Donc c'est pas difficile que l'esprit prenne le dessus. Alléluia. Donc nous devons faire ce sacrifice, nous devons faire ce travail. Et lorsque nous avons reçu ce travail, nous allons voir que le fruit de l'esprit, je vais la chapitre 22, va se manifester en nous. Alléluia. Au lieu de la colère, la nervosité, ça sera plutôt quoi? L'amour, la patience, la paix, la vérité. Ce sont ces choses-là qui vont se manifester. Pourquoi? Parce que la chair est morte et l'esprit a pris maintenant une notion. Donc c'est le fruit de l'esprit qui va être amour, c'est le fruit de l'esprit qui va être manifeste, qui va être Dieu. Alléluia. Parce que si la chair n'est pas morte, je t'assure, la colère va toujours toucher. La méchanceté. On est venu comme Jésus s'est mis en colère. On est en train de parler mal à quelqu'un. Il est en train de calomnier et de critiquer quelqu'un. On n'a pas vu ça dans les écritures de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Non, comme Paul a dit, soyez des imitateurs comme je suis moi-même de Christ. On va faire l'effort d'imiter Christ dans tous ses aspects. Alléluia. On va imiter Christ dans tous ses aspects. Souvent, tu décides, ou bien tu prends l'engagement d'abandonner certaines choses. C'est en ce moment que la voisine vient, le voisin va commencer à t'insulter en parabole. Matin, midi, soir, il t'insulte en parabole. Arrivé le moment, il est dans son coin. Je vais lui dire, tiens-moi, il pense que c'est moi. Il est dans le chrétien, on ne va pas faire. La chair veut se manifester. Alléluia. La chair veut se manifester. Donc, nous devons traiter le problème de la chair. Pour ne pas qu'on se retrouve toujours en train de se repentir du même péché. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous terminer. Et nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide. Alléluia. À tuer notre chair. Amen. Parce que c'est là, je veux dire, le problème central. Parce que si la chair n'est pas morte, ça sera difficile. Comme il a dit au verset 24 de la Bible, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Alléluia. Donc, on va demander au Seigneur de nous aider à crucifier notre chair au nom de Jésus. Et devant la voix et prions aussi. Éternel mon Dieu, nous se levons encore la foi de toi. Oui, Seigneur, nous reconnaissons
libérer la chair de l'éternel Dieu sur manifestation de foi. Nous reconnaissons, Seigneur, que la chair nous amène à poser des actes qui ne demandent pas. La chair nous amène, Seigneur mon Dieu, à œuvrer, Seigneur, pour les choses terrestres. Et l'éternel mon Dieu, c'est qui fait que nous sommes toujours dans une perpétuelle reconnaissance. Nous sommes toujours dans une perpétuelle reconnaissance. Manifester, oui Seigneur, le fruit de la
tu es encore là, les gloires. Sois élevé, Père, sois glorifié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons te prier. Toi seul sais avec quel péché tu luttes, ou bien quels sont les péchés avec lesquels tu luttes. Tu vas demander au Seigneur que toute racine de péché cachée en toi, si c'est la racine de la colère, si c'est la racine du mensonge, si c'est la racine de la crédibilité, peu importe, toi tu sais qu'est-ce qu'il y a encore à raciner en toi, avec laquelle tu luttes. Tu vas demander au Seigneur de venir arracher toute racine de colère, toute racine de méchanceté, toute racine d'orgueil, toute racine quelconque qui t'empêche de vivre ta créa. Tu vas demander au Seigneur de venir retirer, oui, cette racine-là de toi. Comme il a dit en Matthieu 15, verset 3, que tout le plan que mon Père Céleste n'a pas planté, je l'ai arraché de chez lui. Alors, tu vas demander au Seigneur, qui peut en ce soir, arracher de ton cœur toute racine qui ne l'a pas son nom. Thank you.
puissant de Jésus de Nazareth. Merci à vous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'Écriture déclare Zacharie 4, verset 6. Que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous allons demander au Seigneur qu'il vienne nous servir par son esprit, afin que nous ne puissions plus le servir d'ici, mener encore ce combat, mais que lui, son esprit en nous, vienne gagner maintenant le combat. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous réclamons ton assistance, nous réclamons ton aide, afin que, ô Dieu, nous puissions haïr le péché, comme toi tu es le péché. Nous puissions fuir le péché, comme toi tu as fui le péché. Nous puissions se pécher, Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, à l'ouvrir de cette Pâque. Nous allons encore prier, nous allons demander au Seigneur s'il n'y a pas encore une affaire de nos vies qui est encore en captivité, que le Seigneur même, à l'orée de cet accord, ne soit pas là et l'aide la voix et parle au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, Jésus, nous allons encore la voix avec toi. Mais Seigneur, à l'orée de cet accord. Merci Seigneur, parce que Seigneur,
nous sommes affranchis ce soir de la captivité, nous sommes affranchis de la servitude. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, béni sois-tu Seigneur, que la gloire et l'honneur te réjouent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est pour acclamer le Seigneur. Que tout puissant des ténèbres qui s'est levé contre l'assemblée de péché, pour l'empêcher de croire, pour l'empêcher de faire ce qu'elle doit être, que toute cette puissance-là, toute la démonie confondue, soit éprouvée ce soir au nom de Jésus. Lève-toi avec une autorité que Jésus-Christ t'a donnée et renverse la forteresse, renverse les hôtels, renverse les puissances des ténèbres qui combattent l'assemblée de tes familles au nom de Jésus. Oui, élève la voix et prie maintenant au nom puissant de Jésus.
J'aimerais que nous prions pour nos responsables. Alléluia. J'aimerais que nous prions sérieusement pour nos responsables. Parce que eux qui sont la tête, s'ils sont touchés, nous sommes. Alléluia. On va ensemble honorer la foi et prier pour nos responsables. Que quelle que soit l'adversité, quelle que soit la puissance des ténèbres, quelle que soit toute la gloire de Lucifer, qu'il ne puisse rien contre leur vie, qu'il ne puisse rien contre la mission que le Seigneur leur a assignée au nom de Jésus. Et nous avons la foi, nous prions pour nos responsables au nom de Jésus. Éternellement, Dieu est pour moi. Nous soulevons encore la joie avec toi. Je vais te faire un peu de temps.
Alléluia. Je voudrais qu'on fasse cette dernière prière. C'est vrai, peut-être que toi, et certains aux jeunes, tu as trois repas par jour, voire même quatre, alléluia. Et il y a certains frères, certains soeurs parmi nous qui peuvent avoir deux repas, alléluia. On va implorer la grâce du Seigneur dans la vie de tous ceux qui ont des besoins au nom de Jésus. Éternellement, Dieu est notre Dieu. Nous pouvons avoir la vie des frères, la vie des soeurs, éternel qui traverse en ce moment, qui a subi une déclinaire, à peine au sein du Seigneur, qui a un peu de patron de la passion. Cela est compliqué. Nous faisons face à certains besoins. Cela est compliqué. Éternellement, nous imprimons la grâce. Agions ce soir dans la vie. Agions ce soir dans la vie du Seigneur. Donc si tu es disponible demain, rejoins-nous à la chaudière.